Question d'Alain. Pour les salariés en chômage partiel, comment et à quel taux seront rémunérés les jours fériés de mai qui normalement sont chômés? Alors, deux cas de figure, Alain. Ou bien, pour vous, ces jours fériés sont chômés, ça a l'air d'être le cas, et à ce moment-là, ils seront traités comme des jours de congés payés. Concrètement, vous n'êtes pas considéré pour ces jours-là comme au chômage partiel, et donc vous serez payé normalement par votre employeur si vous totalisez au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. En revanche, si vous faites partie de ces salariés qui travaillent, il y en a les jours fériés, alors vous serez considéré comme étant en chômage partiel ces jours-là, et vous toucherez votre indemnité de 84% de votre salaire net, à l'exception, on le rappelle, hein, du 1er mai, qui est pour tout le monde légalement un jour férié.